Bon, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui je suis pas au bord de l'eau, je suis chez moi, dans ma chambre. Et en fait vous le savez peut-être pas, mais j'ai eu l'occasion de passer 5 mois au Canada, sur la côte ouest, à Vancouver pour être précis, dans le cadre d'un stage, dans le cadre de mes études. Évidemment quitte à être ici, j'en ai profité pour passer du temps au bord de l'eau et pêcher. C'est très différent de la France, au niveau des mœurs, au niveau des poissons, au niveau des techniques. Donc plutôt que de se lancer violemment dans les vidéos, j'ai trouvé intéressant de faire une sorte de vidéo un peu introductive à travers le biais d'une sorte de visite de la hatcherie de la Capilano. Donc la Capilano qui est une rivière que j'ai pu pêcher. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les différentes espèces qu'on peut rencontrer ici, quelques petites particularités de ces espèces. Et je vais aussi vous essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que c'est qu'une hatcherie qui est assez différente de ce qu'on connaît en France, sous le terme de pisciculture, c'est pas tout à fait la même chose. Donc vous allez voir, normalement ça devrait être intéressant si vous êtes un peu curieux, pas que par la pêche. Bon, donc les saumons du Pacifique, généralité, comme nos saumons à nous, les saumons atlantiques, ce sont des espèces anadromes, donc ça naît en rivière, ça descend vers la mer pour grandir, ça remonte en rivière pour se reproduire, à la différence que les saumons du Pacifique sont programmés génétiquement pour mourir après la frayée, c'est très impressionnant. Ils se reproduisent une fois, ensuite ils meurent, après la frayée, les rivières sont remplies de cadavres de poissons. Vous le verrez en vidéo, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je suis très content d'avoir vu ça, d'un point de vue biologique c'est magnifique. Pour détailler, il y a 5 espèces de saumon à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, il y a toujours eu 5 espèces de saumon, il y en aura toujours, enfin s'il n'y en a aucune qui disparaît, en Colombie-Britannique. On va commencer par la première, celle que je pourrais pas vous montrer, c'est le saumon Sockeye. C'est de loin le plus emblématique des saumons du Pacifique, je dirais, celui qu'on voit, nous en tant que français souvent, c'est celui qui est rouge vif, qui fait que quand il remonte en grand nombre, les rivières deviennent rouges vifs, avec des grosses têtes olives, à voir sur internet si vous ne connaissez pas, des très belles images. Mais, alors d'un, il n'avait pas dans mes rivières normalement. Et de deux, surtout, la pêche est interdite depuis plusieurs années puisque les populations se sont écroulées. Si vous êtes curieux, si vous êtes un peu intéressé par la biologie et que vous comprenez un peu l'anglais, je vous mets un documentaire en lien dans la description qui est génial. Il est un peu long, mais franchement, il explique que les populations de saumon ici sont sûrement en train de s'écrouler à cause des élevages de saumon atlantique dans le coin. C'est super intéressant. Voilà, si vous êtes un peu curieux, je vous mets le lien dans la description. Si vous n'êtes pas curieux, on arrête là. Deuxième espèce, le pink, donc le saumon rose. C'est un poisson qui me fait beaucoup rire puisqu'il vit exactement 2 ans. Et en fait, c'est une particularité qui fait qu'il vit pas 1 an, il vit pas 3 ans, il vit 2 ans. C'est que dans le bassin de la Fraser ici, il remonte que les années impaires. Voilà, donc il remonte en 2017, il remonte pas en 2018, il remonte en 2019 et ainsi de suite. C'est super marrant. C'est un beau poisson aussi, il est assez petit mais il a des jolies couleurs. On va dire rosâtre, mais bon, c'est pas trop ça normalement, c'est surtout un peu violet, un peu grisâtre. Le mâle se déforme normalement à l'approche de la fraie avec des grandes gueules noires, c'est magnifique. Fun fact, c'est aussi le poisson qui a fait beaucoup parler de lui cette année en Europe, alors pas trop en France, mais en Grande-Bretagne, etc. Ça a été très suivi, en fait il a débarqué violemment en Europe, en remontant par plusieurs dizaines dans certains bassins, en venant de la Russie et de la Norvège. Voilà, si vous êtes intéressé, il y a plein de choses sur internet là aussi, c'est trop long pour être défilé. Être décrit dans cette vidéo. Troisième espèce, le saumon court, le plus réputé. Le plus réputé pourquoi? Pour sa chair déjà, premièrement, c'est celui qui est censé être le meilleur. Il est aussi réputé pour son agressivité qui fait qu'il n'est pas trop compliqué à faire vendre, pour son combat qui est très particulier et par le fait qu'il remonte très loin dans les bassins. Souvent, c'est celui qui remonte le plus haut, qui remonte les plus grosses cascades, etc. Ça, c'est aussi emblématique. C'est un poisson qui est très argenté, qui s'assombrit à l'approche de la repro, qui devient un peu plus rouge. Le mâle a aussi le nez qui tombe, donc voilà, ça fait des gueules très impressionnantes. Quatrième espèce, le chum salmon, donc c'est un peu le mal aimé du coin, notamment parce qu'il n'est pas bon en fait, voilà, c'est celui qui a la moins bonne chair. Moi l'inverse, c'était mon coup de cœur, non, ici, honnêtement, je trouve ce poisson trop stylé. Déjà il est gros, on commence à entrer dans la catégorie poids lourd, on a des poissons qui vont faire jusqu'à 7-8 kg facilement, mais surtout, il a une apparence qui est juste magnifique. Il a un mélange de couleurs avec des barres verticales, des couleurs assez aléatoirement. Il a une énorme gueule pour le mâle, une grande gueule noire avec des dents énormes. Je trouve ce poisson magnifique. J'ai pu beaucoup l'observer, même si j'ai pas pu beaucoup le pêcher, malheureusement, il m'a mis la misère ce poisson. C'est un de mes plus grands regrets. C'est quand même un poisson que j'ai adoré. Voilà, c'était un peu mal aimé, moi c'est bien au contraire celui que j'ai préféré. Cinquième et dernier saumon, le Chinook. Alias le king, donc king roi, c'est le saumon roi et c'est pas pour rien, c'est le plus gros saumon pacifique.
Il fait entre 5 et 15 kilos en moyenne. Et il y en a des bien plus gros que ça. Vous pouvez aller voir sur internet, il y a des images, des mecs qui... C'est énorme le saumon king quand ça peut. Il est énorme, il est tout argenté, il a une grande gueule noire. Donc voilà, c'est vraiment le poisson ultime en termes de taille. C'est pas forcément le plus apprécié, mais c'est le plus gros de tous. Dernier poisson que je vais décrire, c'est pas un saumon, c'est la truite steelhead. Donc en fait, c'est la version la drôme de la truite arc-en-ciel de mer en fait. Ici, c'est un peu le Graal ultime, c'est un peu l'équivalent niveau pêche de notre saumon atlantique. Je vais pas trop détailler, malheureusement, j'ai pas trop le temps, mais là aussi, les populations sont en train de décroître. Ça devient de plus en plus rare ce poisson, donc il y a des hatcheries qui commencent à produire de la steelhead, notamment celle de la Capilano. C'est pour ça que j'en parle ici. C'est un poisson qui est magnifique aussi, très argenté. La truite de mer arc-en-ciel, voilà, on connaît pas en France. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'une hatcherie? Est-ce que c'est une pisciculture? Pas vraiment. Donc là aussi, une hatcherie, ça a pour but de produire du poisson. Mais contrairement à nos élevages de poissons en France, c'est pas dans un but de commercialisation directe ou d'alignage à la rage dans une rivière. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ça s'adresse surtout à des poissons migrateurs. Quand ils remontent, on les récupère. Une fois matures, on récupère les œufs et la litance. On fait une fécondation artificielle. On place les œufs fécondés dans des treilles, donc des sortes de plateaux avec de l'eau régulièrement renouvelée. Ils vont ensuite éclore, on va avoir des alevins, des juvéniles. Et enfin, on va obtenir des smolts, donc ces bassins-là en béton de la tuerie. À ce moment-là, donc les smolts, c'est tout simplement les petits saumons qui s'apprêtent à descendre en mer, qui commencent à changer de couleur, etc. On coupe la adipeuse pour pouvoir les reconnaître plus tard et on les balance dans la rivière. Ils vont descendre en mer et ils vont aller grandir, se mélanger avec les autres saumons sauvages de la rivière et finalement revenir plus tard se reproduire. Donc on est sur des poissons qui sont pas totalement sauvages mais qui sont quand même plus sauvages que des poissons juste comme on a en France ou nos arcs-en-ciel. L'intérêt d'une tuerie, c'est que contrairement à la nature, on va permettre une production beaucoup plus forte. En fait, dans la nature, la sélection naturelle, la compétition inter- et intraspécifique pour les petits saumons, elle est hyper forte. En hatcherie, on passe à travers tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, comme dans une rivière, selon la hatcherie, hein, là c'est des chiffres que je vous sors, c'est pas vérifié, mais je pense que c'est dans le bon ordre d'idée. Un couple de saumons se reproduisant en rivière va donner à peu près 6 saumons adultes d'après la hatcherie. Si c'est fait dans la hatcherie d'une façon artificielle, un couple de saumons va donner 300 saumons adultes, donc juste 50 fois plus. C'est énorme, ça permet de produire énormément de saumons. L'intérêt de produire autant, l'objectif, ça peut être de soutenir des populations qui sont très fragiles. Ça va arriver de façon ponctuelle pour la steelhead, c'est le cas ici d'ailleurs. Mais c'est surtout à la base pour soutenir 3 pêches différentes. La première, ça va être la pêche commerciale en mer et en estuaire. Le saumon du Pacifique, contrairement au saumon atlantique, il est présent en très grand nombre encore. C'est des poissons qui... C'est vraiment beaucoup plus impressionnant que le saumon atlantique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pêche commerciale. Ces poissons d'hatcherie vont aider, puisqu'il y a des hatcheries, il y en a un peu partout dans le Canada, vont aider à cette pêche commerciale. La deuxième pêche, ça va être les First Native People. Donc les First Native People, c'est tout simplement les Indiens, c'est les autochtones américains. Qui ont gardé des droits, qui ont gardé le droit de faire cette pêche ancestrale qu'ils avaient eux à l'époque, avant que les Blancs arrivent, avant que les colonisateurs arrivent, que j'ai pas des problèmes moi. Donc ils ont gardé ces droits de pêche un peu ancestraux, notamment sur la Capilano, il y a une partie de la Squamish Nation qui se trouve à l'embouchure dans une réserve. D'ailleurs, j'ai failli faire une connerie, j'ai failli pêcher dedans, voilà, ils ne connaissant pas du tout. Et en fait, tout simplement, ils font des barrages, par exemple, donc ils bloquent beaucoup l'accès aux poissons. C'est un peu un débat avec les pêcheurs de loisirs, mais ils bloquent l'accès aux poissons et en fait, ils peuvent récupérer très facilement des grandes quantités de saumon. C'est un droit, c'est leur pêche ancestrale. Donc ça, c'est la deuxième pêche. Et la troisième pêche, ça va être tout simplement la pêche de loisirs, la classique pêche, comme nous, on la pratique. Mais ils vont alimenter une pêche de prélèvement, en fait. Comme je vous l'ai dit, les poissons de tuerie, on l'a adipeuse coupée, donc on les reconnaît par rapport aux poissons sauvages. Ils sont dédiés au prélèvement, ces poissons-là. Il faut savoir que le fait qu'on les élève en bassin à la base, ça fait qu'on passe outre cette sélection naturelle, donc la génétique des poissons est modifiée, elle est pas bonne. Ces poissons de la tuerie sont faits pour être prélevés ou pour être réutilisés dans la tuerie, en fait. Bon, à côté, quand on pêche un poisson sauvage, le relâcher, lui redonner sa liberté pour qu'il aille continuer de donner des petits bébés sauvages plus tard.
D'ailleurs, j'en profite directement pour dire que je vais prélever du poisson dans certaines de mes vidéos. Donc voilà, les no-killers qui ne supportent pas l'idée de cuire un poisson, passez votre chemin. Voilà, désolé. Ici, une petite particularité supplémentaire, la Capilano, c'est une rivière de barrage et canyon. Donc voilà, il y a eu un barrage qui s'est créé il y a à peu près 40 ou 50 ans, je sais plus, j'ai plus la date en tête. Avant c'était une grande rivière, maintenant, à cause du barrage et à cause du fait que c'est la rivière de canyon, il n'y a plus du tout de frayère en dessous de cette rivière. Donc, la tuerie, elle n'est pas juste là pour augmenter la population, elle est là pour maintenir une population carrément, c'est un cas exceptionnel. Et en plus, elle a introduit le chinook. Donc voilà, c'est une tuerie qui est très particulière puisque cette rivière, elle est carrément dans Vancouver, qui est une ville de plus ou moins de 2 millions d'habitants, c'est quand même pas rien. Donc forcément, c'est une ficherie très pêchée, ça c'était mon petit côté défaut, et c'est une ficherie avec beaucoup de prélèvements, vous allez le voir, je reviens toujours au même. Au niveau de la production, on voit, il y a les chiffres de la production maximale, tout simplement, que peut faire la Capilano, et elle est toujours plus ou moins dans ces chiffres-là. Elle a plus de place après dans les bassins, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ça attire aussi une idée, c'est qu'en fait, si on relâche le poisson dans cette rivière, c'est un idiot, puisque s'il y a trop de poissons qui arrivent à la tuerie, ils ne pourront même pas produire plus de tacons que ce qu'ils peuvent faire. Ils sont limités à ces chiffres-là. Comme vous le voyez encore une fois, beaucoup de prélèvements, mais on ne peut pas juger en étant français. Franchement, il faut vraiment voir à quel point les poissons peuvent être ici en abondance, et à quel point, même à travers toute la pêche qu'il y a eu dans cette rivière, finalement, il y a toujours des milliers de poissons qui remontent jusqu'à la tuerie. C'est vraiment impressionnant. Bon, j'imagine que la vidéo est déjà très longue, donc je vais pas pouvoir décrire la pêche locale, ça prendra des heures honnêtement. Il y a trop de choses à dire, elle est très différente. On utilise beaucoup les cuillères, on utilise des jigs donc en poil, des jigs carrément type streamer. On utilise la pêche aux œufs, on utilise des mini center pin, j'avais jamais entendu parler de ça en université. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer d'en aborder beaucoup à travers mes vidéos, mais à se faire petit à petit. Si vous voulez voir des détails, si vous voulez vous renseigner sur la pêche, je peux vous conseiller le site internet de fishingwithrod.com. C'est ici que je me suis renseigné. L'avantage du site, c'est que le mec, il aborde de façon très générale la pêche en Colombie-Britannique. Il parle des espèces, il parle de la pêche, il parle de la biologie, il parle de plein de trucs. Si vous voulez passer quelques heures, que vous êtes un peu curieux sur la pêche d'ici, c'est vers là que je vous dirige. Après, il y aura plein de sites à visiter, mais déjà, celui-là, ce serait une bonne base. Pour finir, je vous propose de se quitter sur des images un peu particulières que je trouve assez intéressantes. En fait, la tuerie, elle est très touristique pour ça, pour une attraction, c'est que la passe à poissons que les saumons empruntent pour remonter dans la tuerie, toute une cloison est en verre en fait, ce qui permet d'observer les poissons de très près, les observer nager dans le bassin, de les observer se battre, même de les observer sauter d'un bassin à un autre. C'est très joli à voir, c'est vraiment très intéressant. J'ai essayé de filmer ça un peu à travers le verre, donc c'est pas ce qui rend mieux, mais je pense que les images sont quand même assez amusantes, d'autant plus que c'est assez difficile de filmer vraiment efficacement des poissons en train de remonter la rivière si on n'est pas un passionné de photographie. C'est quelque chose que j'ai vu, mais avec la GoPro on voit quasiment rien. Donc là vous allez le voir de près, vous allez pouvoir voir que tous les coraux, quasiment 99% au moins, n'ont pas d'adipeuse. C'est vraiment une rivière d'atuerie ici. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter sur ces images. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. D'ailleurs, pour être honnête, je suis pas hyper à l'aise. N'hésitez surtout pas là, à aller dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, que j'ai un peu un ordre d'idée, et à décrire dans les commentaires si vous voulez revoir des vidéos comme ça, si vous voulez plus jamais en revoir, si c'était nul, si vous avez des critiques constructives, positives comme négatives. Voilà, lâchez-vous, libérez-vous. Je suis curieux, j'ai vraiment envie d'entendre ce que vous avez à me dire là-dessus. Et sinon, bah, les vidéos pêche arrivent juste après ça. Normalement, je m'attaque au montage très vite. Je me suis régalé à pêcher ici. Je me suis régalé à revoir les images de mes pêches, même si elles n'ont pas toujours été très bien filmées. Je pense que vous me pardonnerez certaines erreurs. Et puis, on se dit très vite à la prochaine vidéo pêche.